الذنب دوكا الذنب دوكا نستمو تيس ماتين دوات ماتن يعني كان فرنسا من الكاون سو ماتا غازو فلاو سندان بدو غوالي وغير كان استرحمة غاف وسلوية تمورت الدزاير مس محمد بوضياف إمي أسي يشبه نسا 29 دي يونيو كتوانا عدال فلاس 30 سكواس غير كان دينار فلاس باليوم نغان أرقاز يجلان سوسير إلهاما المكتثين تسيه Merci de me donner la parole pour m'exprimer sur les différents points de l'ordre du jour de cette session. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler du budget supplémentaire, de commande. Je peux. Merci. Alors, je crois qu'avant de proposer au vote le budget supplémentaire, il aurait été judicieux de nous exposer le bilan déjà du budget prévisionnel pour avoir une idée sur l'utilisation et la destination de l'argent. Vous avez accordé 100 millions de centimes au profit des DAERA pour acquisition et installation de standards téléphoniques et 600 millions pour travaux des grosses réparations au siège des DAERA. Je ne sais pas si cela se fait, mais je me demande pourquoi ces réparations ne se font pas sur le budget de l'État. Acquisition et installation d'un système de sonorisation au niveau de l'auditorium de la PUI. Moi, je trouve la sonorisation correcte. Elle est bien, à part quelques petits trucs durs au portable, mais et si problème il y a, il suffit d'une réparation. Pourquoi dépenser 1,5 milliard pour une réparation qui coûterait 100 000 dinars? Et quand je pense qu'il n'y a même pas de chaise ni de table à la cafétéria de la PUI, hein, il n'y a pas de salle où les élus peuvent se rencontrer à l'aise, il n'y a pas de salle d'attente pour les visiteurs. Je remarque que les gens attendent dans les couloirs. À la page 28, je note acquisition d'équipements au profit des résidents de Wilaya pour 800 millions. Quels équipements, s'il vous plaît? Ces résidences sont censées être équipées depuis longtemps déjà. Et qu'est devenu l'ancien équipement? J'apprends que ce bâtiment où nous siégeons n'appartient pas à la PUI de Tizi Ouzou. J'ai eu l'occasion de visiter les sièges d'Abuo et d'autres wilayas, et je vous jure qu'il y a de quoi être jaloux. Je vous propose de consacrer les 5 milliards du chapitre 950 à la construction d'un siège de pour l'Abuo de Tizi Ouzou. C'est bizarre d'ailleurs, cela fait 3 mandats que le FFS gouverne à Tizi Ouzou et personne n'a pensé à demander un siège de l'Abuo. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, ce n'est un secret pour personne. L'état de l'université de Tizi Ouzou est déplorable depuis longtemps. À part le nom qu'elle porte, Mouloud Memri, qui est illustre, le reste est hélas catastrophique. J'ai bien aimé la conclusion du rapport de la commission. Je cite, l'état des lieux en général n'a pas évolué par rapport au constat fait auparavant. Les chantiers accusent un grand retard. On dirait que le temps est à l'arrêt malgré les recommandations faites antérieurement, dont on reconduit la plupart. Fin de citation. Cette conclusion est en soi un constat d'échec pour tous, y compris pour les élus de la PUI. Ceux des mandats précédents comme ceux de ce mandat. Je ne demande pas, moi, d'édifier, de construire ou de créer. Mais je crois qu'il ne faille pas sortir de l'université, justement de l'université Mouloud Memri, pour procéder aux réparations banales comme l'assainissement, l'électricité, l'hygiène, etc. Il se trouve que même pour les petits problèmes, nous sommes incapables de les régler. Ma conclusion est la suivante. J'ai bien peur de retrouver les mêmes problèmes lors de la session prochaine, et peut-être l'année prochaine ou le mandat prochain. La question reste posée. Si nous n'arrivons pas à réparer ce qui est réparable, c'est que nous sommes soit incompétents, soit négligents, ou alors c'est laissé exprès dans un dessein inavoué de pourrissement de la situation à Tizi Ouzou. La question existentielle, que faisons-nous? Quel est notre rôle? Quelle est notre utilité? Tourisme. Sur le tourisme, il n'y a rien à dire, mais beaucoup à faire. Je voudrais juste signaler que le tourisme, c'est toute l'année, et que ce n'est pas uniquement les plages.
Il y a aussi le tourisme des montagnes, des forêts, des lacs, etc. Il faut se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas de tourisme à Tizi Ouzou. Faute de lieux et faute de touristes. Le peu d'infrastructures qui existent sont l'œuvre du privé et de Dame Nature. Si l'État ne peut pas ou ne veut pas développer le tourisme dans la wilaya, autant faciliter les procédures aux investisseurs pour promouvoir ce secteur. Je voudrais sincèrement connaître celui qui a fermé à la fois les 5 hôtels publics de Tizi Ouzou et les 2 auberges. J'aimerais discuter avec lui et tenter de comprendre la psychologie décisionnelle qui a abouti à ce massacre. Soit il était courageux et sincère, soit utopiste et rêveur, soit il obéissait à des ordres occultes. En tout cas, il mérite une médaille 5 étoiles pour la fermeture de 5 hôtels à la fois. Ceux-ci, je le rappelle, sont fermés depuis 2017 et à ce jour, un seul hôtel, l'hôtel de Belois, a été remis en service. Une réussite en matière d'échecs. Les feux de forêt. Je pense que pour parler de la prévention et lutte contre les feux de forêt, il fallait d'abord présenter un bilan des incendies de l'été passé, connaître leur origine, comprendre leur survenue, expliquer les morts et comment ces incendies se sont-ils propagés. C'est sur la base de la douloureuse expérience de l'année passée que nous pouvons nous prémunir des éventuels incendies prochains. Mais les questions lancinantes, où sont les 10 postes avancés et les 300 ouvriers saisonniers promis déjà? Nous sommes en pleine saison des incendies et je vous pose la question de savoir ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui contre les feux. Pour divers, je pars d'un constat pessimiste pour dire que j'avoue que je suis déçu au bout de 7 mois d'élection. Déçu car j'ai l'impression que nous parlons dans le vide et que cette assemblée est réduite à une caisse de résonance, un bureau de constat et de doléances, malheureusement. Nous prêchons dans l'autosatisfaction et dans un égocentrisme maladif. Des sorties par-ci, par-là, des réunions de commission que nous publions sur les réseaux sociaux et ça nous donne l'illusion de travailler. Je pensais le pouvoir de la PIOUI beaucoup plus important que cela. D'ailleurs, j'apprends qu'avec étonnement que le président de la PIOUI n'est pas ordonnateur d'un budget que son assemblée a adopté. C'est quand même assez intriguant. Si la PIOUI est une institution républicaine et démocratique, à l'intérieur, on y pratique la dictature de la majorité. Le parti majoritaire a contracté des alliances avec tous les partis égaux, sauf le groupe Asylum. Il nous semble, le groupe Asylum, la seule force d'opposition et du coup, tout ce qui vient de nous est automatiquement suspect et immédiatement rejeté. Je vous fais remarquer qu'il reste des postes de vice-président et des rapporteurs pour qui veut les prendre, qui n'ont pas été pourvus à ce jour, 7 mois après les élections. Au sein du groupe ACRM, nous sommes 9 élus qui continueront à assumer notre rôle de deuxième force politique à Tizi Ouzou, décidés à être une force d'opposition et de proposition, même si nous ne sommes pas écoutés ni associés aux activités. Lors de la session précédente, j'ai évoqué l'inexistence d'un service de lutte contre la tuberculose au niveau de PSP Oissy. Seul EPSP à ne pas en disposer. La réponse désinvolte et pas du tout sérieuse du représentant du DSP de la première session a été effectivement le CETMR fait partie de l'organigramme des EPSP. Oui, on sait qu'il fait partie de l'organigramme, mais il est inexistant. Qu'avez-vous fait pour le créer? Rien. Les tuberculeux de la région souffrent le martyr. Pourtant, il y a bien un pneumophtysiologue à l'EPSP Oissy. Mais point 2, SCTMR. Cela veut dire que j'ai parlé dans le vide. Cela veut dire que les représentants du DSP, les responsables de l'EPSP, s'en foutent de la santé des citoyens. Aux Oissy, plutôt que de créer des services, d'essayer d'innover, d'améliorer les conditions de travail du personnel, de veiller à la santé de la population, le directeur de l'EPSP s'occupe à déplacer comme des pions les fonctionnaires d'un service à un autre, des lieux à un autre, au gré des humeurs et des ordres qu'il aurait reçus.